Hey à tout le monde et bienvenue, c'est Blue et c'est surtout GPO. Pour l'Empire. Oh. Et on se retrouve pour l'épisode 4 de ce Let's Play de Dawn of War 2. Alors, on était au jour 6, nous avons fait donc 5 missions j'imagine, puisque une mission c'est un jour. Voilà. Ça dépend, des fois on peut en faire plusieurs par jour, selon les reliques capturées, mais là je crois qu'on en est à une mission par jour. Ouais. Et nous sommes sur Typhon, ancienne planète capitale de l'Impérium de l'Humanité. Et puis un jour il y a un Xeno sans papier qui s'est baladé. Et la garde impériale a dit, bah, les gars, on va lancer l'ordre exterminatus et ils ont rasé toute forme de vie sur cette planète. Rip. Juste parce qu'il y en avait un qui avait pas ses papiers. Alors du coup, concernant nos équipements, il y a juste Adeus qui est un petit peu triste, qui a pas trop de bolter et pas trop d'armure. Mais bon, c'est parce qu'il est un peu à la ramasse niveau, ce qui est normal. On va dire que t'es passé de Cyrus à Tadeus. Donc voilà. En fait, t'es passé d'une merde qui sert à rien à une merde qui vole. Qui vole. Qui peut voler. Qui a des gros réacteurs. Voler. C'est intéressant quand même. Voilà. Oui. Bon, je sélectionne les missions. Commandant, on a localisé une force Eldar considérable. Cette force semble être menée par l'une de leurs araignées spectrales. Elles peuvent vite se téléporter. Ce qui expliquerait comment les Eldar peuvent surveiller les orques sur Typhon sans être vus. Éliminez-la et trouvez des informations sur les plans des Eldar sur Typhon. D'accord. Une force Eldar. Récompense grenade aveuglante. Information de Nus, cette cible est vulnérable aux attaques de corps à corps. Merci. Déployez. Ah, c'est une mission pour moi. Je devrais prendre Cyrus. Tu vas lui mettre des coups de manchette. Tu vas arriver dans son dos. Invisible. Non, je vais rester en retrait, je vais servir à rien. Les Eldar, anciens maîtres de la galaxie. Ouais, des PD en fait. C'est de la triche avec des trucs énergétiques et tout. Mmh. Ouais, c'est pas correct. Pas attentif. Pas attentif. J'espère quand même que c'est de la pluie ça. Non, c'est de la neige. Ah, ça je veux bien. Mais t'as vu, la neige la tient pas. Non, nul. Ça c'est dommage. Ouais. Parce que là, mon dieu, elle est un peu ralentie quoi. Commandant, nos scanners situent l'araignée spectrale à l'emplacement marqué sur votre carte. Attends deux secondes. Il ne restera pas là longtemps, on doit se déplacer. Entendu. Alors, mais attention au piège. Les Eldar nous engagent. Ah putain, ça commence direct. Frère. Bon alors attends, faut quoi? Putain, ça attaque de partout. Ah mais, d'accord. Éliminez cet Eldar. Ah, il en reste un. Approchez et engagez-les. Un autre Xeno s'est éliminé. Bon, alors, ça compte. Deux petites secondes, je baisse un tout petit peu le volume du jeu. Voilà. Pareil. J'espère oui, qu'on t'entende pas trop. Voilà. Ouf, donc nous avons deux chemins pour nous. Soit nous continuons via le pont, soit nous allons vers la droite. On peut passer à droite. Passer à droite. Ça dépend si tu veux qu'on vise plus sur la médaille de vitesse et de survie que sur la médaille d'extermination. N'importe, ouais. Comme tu veux. Alors, de toute façon, on peut avoir les trois médailles à fond. Hein. Si on met le turbo. Si on joue bien, surtout. Ah. Genre, tu vois, on évite de laisser Cyrus se tourner les pouces, quoi. Comme ça. Ah, ça va, y a pas Cyrus. L'ennemi est ici, comment? Allez, cible abattue. Enclenchez les réacteurs d'ozone. Allez, les réacteurs. Ah, mais j'avais pas capté que. D'accord. Il était un peu tout seul. Ah, bon. Pas de us. Cible abattue. J'en fais fort. Non, il faut. Salaud. Oui, parce que ton commandant n'a pas encore de réacteur.
Est-ce qu'ils vont en avoir après? Bah oui, ça c'est pas un gros spoil. Hein. Attention, des snipers. C'est... Bon, mais pour la médaille de survie, c'est foutu, commandant. Ouais, t'as vu, il veut qu'avoir une armure. Ah oui, c'est vrai. Il est en mode caleçon là. Un petit il peu. A un réacteur. Tu vois, il a un réacteur dorsal, une épée tronçonneuse et un caleçon, c'est tout. Il a peut-être une armure en plastoc. Commandé chez Toys R Us. Tellement. Non, engage pas. C'est bon. J'encaisse. Ça va aller. Ouais, j'ai déjà tué tout le monde, hein. D'accord. Je me dis si je t'embête, hein. Bon, ça va. Si, récupère les caisses pour moi, s'il te plaît. Je prends le timber, en fait. Aïe. Je vais les achever. Oh, un sniper ou je sais pas quoi là. Ouais, je vais balancer un Choco BN. Choco BN. Tiens, Choco BN fait. Parce que. Non, meurs pas, il a un HP. Bon, on va pas les chercher. Ah, aïe. Non. Je dis ça et je le fais. Infanterie alliée détruite. Putain de merde, j'en ai perdu. Attends, je vais leur mettre un coup de boule. Elle en arrête tout de suite. Vos ordres, n'abandonnez pas. En fait, ils veulent pas qu'on prenne le truc, je crois. Oh. On se fait massacrer. Moi, je capture avec Tarkust. Putain, Vitus. Ah. Oh. Putain, mais on a des armures en carton, quoi. Laisse tomber. Attends, je vais un petit peu... Non, Thaddeus. Non. Non, arrête d'avancer, arrête. Non. Tellement de tristesse. Déploiement des générateurs en cours, commandant. Les autres générateurs ne seront disponibles qu'au prochain déploiement. Aïe. Relève ton copain. Non. Thaddeus vient au rapport. Du coup on a eu quoi? Hausse des éléments de soutien. Ah oui non c'est le truc en lui-même ça. Oui c'est les points. Yes. Les points cardinaux. Non ce n'est pas ça. Ouais. Prenez votre position, frère. C'est bon. On a à peine fait 10 minutes, j'ai déjà utilisé toutes mes grenades. Sérieux? Ça oh va, putain il y a des banshees. J'ai récupéré mes copains. Fais gaffe. A gauche il y a des banshees. Sont chiantes. Ah ouais. On les charge à deux là. Enfin ouais, 4. Ok. Merde, je fais mon truc là dans le vide. Pourquoi le commandant il a fait tout le tour? Sans déconner. C'est pas toi qui aurais les soins à tout hasard? Si. J'en ai utilisé un ou deux, je crois déjà. À un moment où Thaddeus il allait mourir. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si je dois les utiliser parce que. Merde, oh là là, non! Je vais un coup de pied. La situation est en bas. Ça va, on les a fumés. Bon. Si tu regardes la carte, là, on a un cruel dilemme. Non. Soit on nettoie le point suivant et on s'attaque direct au boss. Ouais. Soit après le point suivant, on revient en arrière et on nettoie toute la map. Ouais, à mon avis, dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'on ait la médaille de vitesse, donc peut-être qu'on va faire tout le tour de la map, non? Ouais. Allez, mais elle est chaude. On va voir le truc d'extermination.
De quoi ça, ça... Ah oui, la médaille de ah bah tu m'étonnes. Allez. Chocoban. Oh là là, les dégâts contre Deus. Ça va. Attention aux araignées spectrales. Ça va. Redéploiement. Alors nous avons... C'était quoi là? J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas fait gaffe. Une armure énergétique blanche. Donc une armure de merde quoi. Ok. On est passé de Toys R Us à Jouer Club si tu préfères. Je vois. Bon, le petit point. Thaddeus au rapport. Emparez-vous-en. Allez. J'ai encore 4 soins. Ok. Ouais, on retourne en arrière. Je mets un point sur la carte pour te dire où on passe. Yes, ça marche. Go. J'ai trop perdu la main. J'utilise plus les raccourcis clavier. Je fais juste 1-2 pour switcher entre les escouades là. Bah, c'est déjà ça. Moi, j'ai encore le vieux réflexe de switcher manuellement à la souris. Escouade d'assaut, changement de position. Ah, attends, il y a des unités là. Ouais, bah je vais leur balancer une petite grenade. Un petit canard. Tiens, un pépito. Et j'ai raté. Ah, moi je vais faire un petit tour là-bas. Le sniper, attention au sniper. Ah ouais, dur. Les banshees. Attaquez-moi. Vous êtes des filles si vous êtes des femmes. Vos ordres. Ouais. Ce sont des femmes. J'en ai 3. Non, tu meurs pas. Arrêtez d'avancer. Approchez et engagez-les. Bim. Le coup de boule. Quick. Attends, on va faire le... Ah, tu l'as déjà mis le char. Je fais un soin, je vais mon Torcus et mon Torcus à la bas. Et là, cette place, c'est chaud, quoi. Ouf. Ouais, j'ai perdu un copain chez Thaddeus et toi, t'en as perdu 2 chez Torcus. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on passe par la gauche, soit on capture le point devant nous. Dans les deux cas, c'est risqué. On va essayer d'avoir vite le point, je pense. Attends, je fais... Fais des avant... Enfin, des mouvements tactiques. C'est-à-dire que j'avance petit à petit pour éviter de... Y a personne dans les bâtiments ou pas là? Vas-y, un YOLO. YOLO. Oh, je crois qu'on a déjà pété tout le monde là. Ouais. Ah, y'a une caisse, putain. Pose des éléments soutien, nickel. Ah d'accord, il a trop. Oh putain. Prenez votre position, frère. Escouade d'assaut. Ils avancent tout seuls, regarde. Ouais. Tu leur laisses aucune chance. Bah attends, ça va le refaire là. Non, interdit. Aïe. Torcus. Il y a Torcus, il a envie d'y aller hein. Attends. Il a l'air d'un choco BN. Oui. En au-dessus. Il s'est fait battre au corps à corps par un simple soldat. Laisse tomber. Il sert à rien. Laisse tomber. En fait, à part la charge. Oh non, pas maintenant. Recule, Avitus. Enfin, Thaddeus.
Je vais peut-être plus au point. Prenez votre position, frère. Escouade d'assaut. Changement de position. Ok, on va nettoyer le point sur la gauche. Oh putain, on a du monde. Ah! Notre allié faiblisse face aux tirs ennemis. Des soins, Blue! Où a-t-on besoin de nous? Tu veux les soins ou tu veux le mettre au point? Le soin. Okay. N'abandonnez pas! Allez. Boulot! Ah, il est encore en dessous, mais c'est pas vrai. Hey, mais t'es sérieux? Non, on arrive pas. Non. Comment il est mort juste quand il y avait plus personne, quoi? Oh, attends, il reste du monde, hein. Ah, mais attends. Toi va là-bas. Quick. Infanterie à l'intérieur. Attends. Un soin, je vais compter plus que tu as bien. Et voilà. Okay. Bon, c'est bon, on a ce point là. Du coup, on va pouvoir monter, j'imagine. Là, on monte direct, après, on revient sur le point après. Du milieu. D'accord. Ouais. Ça marche. Attention, le pont est étroit. C'est bizarre, hein. Oh bah ça alors, il y a des ennemis. Préparez-vous au combat. Le coup de boule. Approchez, fuyons cachés. Alors toi, tu vas reculer, t'as dit. Allez, tirez. Non. Oh putain, il focus. Non, t'as vu juste. Okay. Putain, mais c'est pas possible ça. Bim. t'as dit bim, j'en ai perdu un. On aurait dit plus jamais bim. Ah bim. Et bon, t'en perds deux. Je ramène ta Deus. Ah, ils veulent pas que j'avance avec lui. Je vais reculer parce que si le capitaine il avance, ça va pas aller. Enfin, le commandant. Où a-t-on besoin de nous? Ah, promotion. Reçu. J'aime bien ces mots-là. Qui a eu une promotion? Le commandant, et je crois que. Je sais pas c'est qui d'autre que j'ai vu aussi. Niveau 7. T'as déjà vu, c'est niveau 5. Ah ouais, c'est la promotion aussi. Ça tient. Oula, vous êtes bon. Oula. Attendez le prochain déploiement pour sécuriser un autre site stratégique. Oh putain, c'est la guerre! C'est la guerre, colonel. Ah ouais, c'est la guerre partout. Ouais, je vais reculer ta début parce que dès qu'il y a une escouade, c'est décès. Ouais, mais il est trop fragile là. Aïe. Non. Enclenchez les réacteurs torso. Ces réacteurs un peu tardifs. Du coup, on a le droit de prendre ce truc là ou on était limité au premier? On était limité au premier, okay. Le premier on n'avait pas le choix, on était
On était dans une sacrée mouise, quoi. Ah, ça craint, va falloir passer par le petit passage. Ah. Alors, j'ai un petit souci. Ouais, mon Tadeus, il manque un bonhomme, ton Tarkus aussi. Mais là, ça va, c'est... le point est pas loin. Oh, ils arrivent. Je vais... Venez m'attaquer si vous êtes des hommes ou des trucs, j'en sais rien. Ah, waouh. Oh là, mais c'est la fête là. Ah, faut que je recule. Non, mais t'es sérieux. C'est... J'ai mis un soin exprès pour lui et il meurt comme ça. Ah bah, difficulté primarque, hein. Ouais. Faut que je recule le commandant. Non. Bah, bah je peux plus rien faire, bonne chance. Waouh. Attends, je... Le Vitus. La mort cérébrale, ouais. Là, je te tue la main. Qu'est-ce que je... Meurs pas, Tarkus. Ah ouais, il se fait défoncer par le sniper. Finisher. Salaud. Ouf, le freeze. Waouh. Je relève ton... Tadeus vient au rapport. Ah, c'est bon, là. Waouh. Toi aussi, t'as des freeze ou... C'est que moi. Non, c'est toi. Merde. Voilà. Je pense que c'est dû au fait que tu recordes. Prenez votre position, frère. Ben... C'est pas des... Tu vois, ça rame pas, c'est juste... Comme si on perdait la connexion tous les deux pendant un laps de temps. Du coup, on a tout, là. On va être obligé de monter, là. Et oui, on va être obligé de monter. Merde. On se demande vraiment ce qu'il y a, hein. Ah bah ça, alors... Moi, je dirais pas que c'est un boss, hein. Franchement... Non, tu vois. Et moi, je dirais pas que c'est un boss Eldar, tu vois. On a passé surtout... là... On a passé toute la carte à affronter des Eldar, on arrive dans un colisée en ruine. Voilà. Allez, bon, c'est parti, hein. Cette fois, fais gaffe à ses attaques. Hein. Ah, ça va. Mais non, ça va pas, justement, alors, on a perdu trop d'hommes. Perdu trop d'hommes. C'est pas grave, ils reviennent, lol. De toute façon, on est sûr d'avoir 0 points en survie, là, c'est obligé. Tellement le décès. Ah, je crois qu'il est là. Escouade d'assaut. Pourquoi on le tire pas dessus? Le voilà. Il voulait pas. Ah, je vais faire reculer Tadeus tout de suite. Viens ici, petite proie. Maintenant, si vous aviez la gentillesse de mourir. Il amène des renforts, éliminez-les. Un autre ordre, j'imagine. Les soins bleus. Ouais, j'ai vu. Ah non. Aïe 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 aïe. Ah putain, merde, il a... Mes gars, ils volent, t'as vu. L'infanterie alliée. Ah merde, j'en ai perdu un. J'en ai perdu deux. Non, Tadeus. Attends, non. De soins. Bon, c'est l'heure du petit. Je recule un peu Tadeus. Frappe d'artillerie. Oh non. Ok. Ah oui, merde, j'ai oublié les dégâts alliés. D'accord. Désolé, attends, je vais relever le commandant. Attends, laisse-moi faire avec Tadeus. Il a plus de vie déjà. Non, marche pas d'ailleurs. Non, mais j'attire le boss. Ok. Balance des... Balance des soins. Oui, bah dès que je peux. Ici, Tadeus. Fais gaffe, le boss te tire dessus. Oui, je sais.
N'abandonnez pas. Je vois que vous n'aviez pas pensé à ça. Qu'est-ce qui se passe autour de lui? Vous pouvez sûrement mieux faire. Ah. Un recul. Redéploiement. Aussi, non. Aïe, je sais. Je lui ai enlevé cette frappe d'artillerie. En fait. Tu m'as tellement tué, je crois. Oula. On va reculer. Je peux pas te heal. Hein. Rip. Je suis avide de découvrir à quoi vous poussera le désespoir. Lol. Attends, il me reste les grenades. Allez les gars. Deck. Non, Tarkus, meurs pas. Non. Non. Il me reste un HP. Il me reste un HP. Lol, rip. Un affrontement fructueux. J'ai beaucoup appris sur vous. Première défaite. Merci. GPO, t'es un hérétique, t'es avec l'ennemi. Non, j'ai été influencé par le War. Tu m'as tellement tué. J'avais complètement zappé cette histoire de dégâts alliés avec les explosions. Bah visiblement tu m'as rappelé 2-3 fois. Hein. Briser les lignes du pillard Eldar, commandant. Si vous oui mais c'est juste que j'avais plus le réflexe de dire attention. Attention, moi ouais, je voyais la marque, laisse tomber quoi, le temps que je m'éloigne c'était mort. Et du coup, oui, parce que en solo c'est normal, tu vois, tu fais une frappe d'artillerie, donc tu contrôles tous tes mecs. Ouais. C'est normal qu'il y ait du tir allié, que t'es censé dégager la zone avant d'attaquer quoi. Mais là non, bah, toi t'es corps à corps, moi je suis du sens, frappe d'artillerie, je suis sur ta poire, je m'en fous. On fait comme si c'était rien passé ou... On fait comme si on était mort. Je veux dire, par rapport à la première mission, comme j'avais coupé. T'as coupé quand? J'avais coupé. Bah, là, quand, après que ça a frisé, chelou là. Juste avant de revenir au menu, quoi. Donc, quand on a commencé la deuxième fois, quoi. Oui. On peut dire qu'il y avait un petit problème technique et que tu. Montage, de toute façon, t'avais dit que tu coupes pas des coupures. Je peux, ouais. Si ça te fait chier, moi je t'ai dit, je peux le faire le montage. Hein. Non, c'est pas ça le problème, c'est juste que on a eu un échec, on a eu un gros lag de fou. Mais là, t'es toujours en jeu là, on est juste sur la carte. Ouais, là on est sur la carte là. Bon, commandant, on a localisé une force d'art considérable. Cette force semble être menée par l'une de leurs araignées spectrales. Elles peuvent vite se téléporter. Ce qui expliquerait comment les... T'as remis le record là ou pas? Oui. Mais t'inquiète, je couperai le début. Je m'arrêterai dès que ça va commencer là. Lui, il a une petite bite. Oh putain. Ouais. Commandant. Nos scanners situent l'araignée spectrale à l'emplacement marqué sur votre carte. En début, là. Il ne restera pas là longtemps, on doit se déplacer. Entendu, mais attention au piège. Je vais faire apparaître. Ils sont là-haut, là, tu vois. Bonjour. Et voilà, c'était le petit coup de boule du début. Allez, c'est parti. Go. On rejoint les buissons. On avance, on s'arrête pas. Ouais. Ici Thaddeus. Nous sommes cloués. Sachez les contourner. Restez avec nous, frère. Lance une grenade. Abandonne une nouvelle cible. Ok. J'enlève mon lot de fer, c'est bon. Ok, là ça va.
C'est dès qu'on va arriver à la structure là, ça va chauffer. Mais sinon, au niveau des lags, y'a rien là. Un petit peu, mais ça va. C'est pas comme tout à l'heure là. C'était le décès. Je pense qu'on. Oui, non. On peut reculer, ils attaquent le bâtiment ou pas? Ils peuvent ou pas? Non, ils attaquent pas le bâtiment. D'accord. Enfin, on va peut-être essayer de les pousser à reculer avec nous. Bah attends, je vais le faire hein, avec. Je peux les aggro. Bah, sinon, je peux aggro avec TDU, c'est me faire mon petit saut après, non? Attends. Ils arrivent. Prépare-toi à sauter. Donc ils arrivent près du bâtiment. Vas-y maintenant. Là. Là juste avant. Voilà. C'est réglé. En avant. Ici, merde, je les ai pas chopés tous. Ok, nickel. Escouade d'assaut prête au déploiement. Hop. Tu récupères un peu. Je suis prêt. Ça marche. Ça va, j'ai juste mon énergie qui récupère. Ça le fait. J'ai assez. Tiens, le coup de boule. Belém. Voilà, on est bien. Ici, on une petite grenade là-bas. Prends pas de risque. Modification de position, en route. Là, ça le fait. Ouais, là, il va y voir les copains. Ici, Thaddeus. Ouais, vas-y, avance. Avec ton commandant. Je vais avancer, je vais mettre mon halo de fer. Ils sont barrés. Déploiement. Éliminez cet Eldar. J'enlève le halo de fer. Putain, ça t'empêche de récupérer le halo de fer d'énergie. Le halo de fer, utilise-le en cas de situation critique. C'est pas beaucoup de torches. Au pire, on peut tenter direct de faire le boss. Hein. Comme tu le sens. Bah, vu que cette mission, on l'a déjà fait une fois et quoi. C'est vrai, tu as raison. J'approuve cette décision. On a perdu lamentablement. Ah, alors vous. C'est réglé. En avant. Ils sont téléportés pour mourir. Ouais. Pour l'instant, on a pas perdu de membres d'escouade. Enfin, ouais. D'escouade au total, donc ça va. Là, allez. On est bien. On va pas gagner la médaille d'extermination, mais bon. Si on a une chance d'avoir les deux autres. Ouais, c'est vrai que. Tac. Allez. Bon, au moins on a une chance supplémentaire là, halo de fer plus de patates, un petit peu plus d'armure pour Monsieur Bleu et Thaddeus. Escouade d'assaut prête. Nous devrions gagner. Et sans TK. Ouais voilà. Ouais oui. Restez en alerte. Le voilà. Thaddeus, je peux bourrer avec le halo de fer là. Est-ce qu'il sourit? Garde ton halo de fer là, je tanque, et c'est quand je tanque pas que tu prends le halo de fer. Comme tu veux. Je vais juste faire un boost de tribu. La gentillesse de mourir. Et si t'as des renforts, éliminez-les! Cachez-les! Un autre, j'imagine. Allez, montre
putain, je suis sur la grenade. Essayez de vous en sortir, tas de fer. Je vais bourrer les heals. Ah merde, il est pile à côté de mes gars, mais il les a. Des Zeldars nous engagent. Danger, il faut bouger. Laisse-toi. Ah putain. Ah, il... C'est chiant parce que là, contre le boss, j'ai des lags. Restez avec nous, frère. J'ai perdu un mec. Tant que t'as pas perdu une escouade, je crois qu'on a la médaille. Vos ordres. Attends, je vais faire reculer Tadeus. Je vois que vous n'aviez pas pensé à ça. Est-ce que la loi de fer ça empêche de prendre un truc? Vous pouvez sûrement mieux faire. Ah ouais. Il amène des renforts, éliminez-les. Voilà, il y avait une grenade ou je sais pas quoi. Ça a pris les dégâts quoi. Ah merde, oh, hein, merde. Parce que... N'abandonnez pas. Les Zeldars nous engagent. Je suis un peu mon commandant d'armée, voilà, à l'autre fer. Non, laisse-moi me heal. Restez avec nous, frère. Bon, je vais laisser encaisser avec mon. Vos ordres. Je vais l'enculer une sphère. Cool. Voilà, let's go. Ouah, sérieux, ça l'a touché de là. Oh putain. J'ai plus de soin. Hein. Attends, je vais péter les caisses. Assaut aérien, go! C'est un peu habitude. Vas-y, c'est bon, j'ai débloqué des soins. N'abandonnez pas! C'est bon. Redéploiement! Compris. Lourde perte chez les marines d'assaut! Recule, Tadeus, ne meurs pas! Redéploiement! C'est bon, il a crevé, je crois, non? Fais gaffe face! C'est la loi de la nature. Bon. Mais recule. Un prédateur qui titube devient une proie. C'est bon. Il nous a considérés comme des proies. Il nous a considérés comme des proies. C'est fini. C'est fini. Fulari Spectral Eldar. Waouh. Oh non. Mon armure a été souillée. La victoire nous appartient. Mission terminée. Mission accomplie. Grenade aveugle. Ah mais ça c'est bien, ça c'est pour moi. Ah, 3 sur 4 escouades conscientes. Ah, on a eu la vitesse. On a eu la vitesse, ouais. Ça va. Terminé en 8 minutes. Une. 1 off 1 fonderie contrôlée. Bon, ok. Dans les capsules, là, c'est ce qui nous permet de faire d'autres missions sur la même journée. Les capsules... J'ai pas trop fait gaffe. Plus on a un meilleur score. Ah oui, ok. Excellent travail, commandant. Plus on a de sans les araignées spectrales pour agiter les orques, Typhon se porte mieux. Jusqu'à 3 missions vos par jour. Vos victoires sur les orques et les Eldar ont stabilisé la situation sur Typhon pour le moment. Tout n'est pas rose, cependant. On nous signale des mutations de la végétation locale et des attaques menées par des hordes de créatures Xenos. Ces créatures, à quoi ressemblent-elles? Il s'agit surtout de témoignages de citoyens, Cyrus, et leurs descriptions sont déformées par la peur. Vous devez retourner sur Calderis dès que possible. Les orques de Bazapa sont rassemblés pour frapper à nouveau la capitale planétaire. Sans votre aide, je crains que Calderis ne tombe. En attente de GPO, 3 petits points. Ça y est. Clouk. Oh, il est l'heure d'utiliser l'Armageddon. De retourner sur Calderis. À vous l'honneur, commandant. 2 petites secondes. On n'a rien à faire, on n'a pas du stuff à dégager. Voilà, merci. Ouais, la promotion. 18, 16. Régénération d'énergie, résistance au cœur. Ouais, 34-5, 38-5. Est-ce que... T'as vu l'armure qu'on a chopée? Alors, l'armure... L'armure de pureté. Ouais. Fais chier de le dire, mais c'est une armure de commandant. 25, elle a combien? 24. 4 de compétence. 46 de résistance au tir de suppression. Sympa, ça. 52 de santé. Oui. J'approuve.
Bah du coup il y a une autre petite armure. Cyrus a obtenu une promotion. Waouh. Là on est content là. La santé. Hop. Alors moi dans l'histoire je tiens à dire qu'il n'y a toujours pas de pistolet bolter pour Thaddeus. Oui c'est vrai. Mais bon c'est là tu peux faire le tri parmi les épées parce que t'as deux escouades et t'as trois épées qui sont dans l'inventaire là. Ouais on a déjà des bonnes épées. Résistance aux dégâts de corps à corps. Résistance face au corps. Combien 10, 12, ouais non celle-là non. Tartarus. Non, est-ce que je reste tout le temps au gantelet énergétique avec mon. Non, pas commandant. Obligé. Il y aura d'autres armes. Hein. Oui, enfin, je veux dire, pour l'instant. Selon tu le sens, c'est ton personnage. Hein. Enfin, c'est toi le commandant. Je regarde ça par rapport aux dégâts et surtout les dégâts contre les. Autre chose que l'infanterie tout court. Qui sera plus utile. Déjà, ne serait qu'à court terme. Du coup, il y a mon ancienne armure de Tarkus qui peut être utile pour Thaddeus. Pour Thaddeus, 10, 16, 18. Résistance aux dégâts de l'immortalité cramoisie là ? Ouais. Par rapport à l'autre, ça fait quoi ? Ah oui, effectivement. La santé et la résistance aux dégâts distance. Tout sympa. Bon, il n'y a pas les plus de compétences au corps à corps. Mais oui, j'approuve. Du coup, je peux virer la dernière épée là. Visiblement. Oui. Ça fait quoi déjà ? J'ai récupéré. Ouais, non. 24 de santé et 10 de résistance au cac. Ouais, non. Hop. L'armure de Vendéa. On peut virer toutes les autres armures là ? Ouais, moi elle m'intéresse pas. Hein. L'armure de Vendéa, elle offre pas assez d'armure. Elles ont toutes assez d'armure, ouais, les autres. Il a quoi, Thaddeus ? Il a un truc avec 18 ? Ouais, non, c'est bon. Tout va bien. Allez hop. XP, XP, XP. Et j'ai level up. Ah bah parfait. Ah bah je crois que le commandant aussi. Et du coup j'ai la fureur des justes. Lors d'une attaque spéciale au corps à corps, frappée avec fureur pour infliger davantage de dégâts explosifs. Regagne de la santé en tuant un adversaire au corps à corps. Ah c'est pas mal ça aussi. Je pense que je vais focus... Je vais focus implacable. Et après peut-être la bénédiction de la guerre. Parce qu'il est mis hors de camp. Putain, indomptable. Mais du coup, dans deux niveaux, j'aurai implacable, voilà. Ça me va. Est-ce qu'on bouge de planète ? Calderis. Tu peux ? Dis-moi quand c'est bon. C'est bon. Allons-y. Rejoindre Calderis. Il est l'heure de passer dans le warp, commandant. Waouh. Et du coup nous avons la défense des portes d'Argus. Alors moi je te propose que nous arrêtons cet épisode ici. Corps commandant, c'est vous le commandant. À chaque jour, à l'épisode. Et n'oubliez pas les enfants, pour l'Empire de l'Humanité. Et bien sur ce, en espérant que ce petit épisode vous ait plu, et tout simplement, bah à la prochaine, tout simplement. Avec notre première défaite et notre première défaillance technique. C'est ça. Sur ce, merci encore, et à bientôt. Pour l'Impérium de l'Humanité.